Biblia. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et puis ça va nous tirer mona. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Et tout le monde nous peut vraiment engombe. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et quand on a besoin de tout à beno, bantima ya matadi. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et puis ça va nous bantima ya kisou. Je mettrai mon esprit en vous. Et tout le monde peut vraiment engombe. Faire en sorte que vous suivez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquez mes lois. Apocalypse chapitre 6. Zaikusu kikapu ya sama. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait: viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier. Et trois mesures d'orge pour un denier. Et ne fait point de mal à lui et au vin. Prions le Seigneur. Le Seigneur, c'est le clair. Mon chemin, sa parole, c'est le feu, le Seigneur. Toi notre Dieu, toi l'aigle Jéhovah, celui qui nourrit de bec en bec,
sont venus ce matin auprès de toi pour se nourrir, Seigneur. Il est écrit, là où ça semble les aigles, c'est là où se trouvent les cadavres. Et ils sont venus manger ces cadavres. La chair du Fils de l'homme. Un jour, Abraham avait fait ce sacrifice. Il avait déposé de la chair. Et après un moment, les animaux de proie sont venus pour dévorer. Et il a vu une obscurité passer au-dessus. Et Seigneur de voir père. Et cela est passé. Cela devait passer devant une fournaise. Alors certains s'y perdent, ça laisse. Ne laisse pas que ce matin, les animaux de proie et les mouches puissent venir infecter la nourriture. C'est pourquoi, Seigneur, Abraham devait prendre un épouvantail pour épouvanter Seigneur roi pour que ce devienne pas. Et que le sacrifice soit trouvé pur. Ainsi ce matin, nous ordonnons au nom de Jésus, tout esprit d'envoûtement, au nom de Jésus, d'être lié à l'extérieur. Seigneur Père, venons également, Seigneur roi Père. Tu avais dit que ce que nous lirons sur la terre, tu liras au ciel. Ce qu'on va délier serait délié aussi. Nous lions l'esprit d'envoûtement, l'esprit de doute, d'incrédulité, l'esprit de la sorcellerie, de la magie, de la franc-maçonnerie, lié à l'extérieur au nom de Jésus. Et que par Céleste, les anges puissent environner cette salle, puissent déployer leurs ailes, que nous soyons sous la nuit. Parce que lorsque William avait parti prendre la nourriture, il était sous la nuit. Et c'est alors qu'il est descendu pour révéler la nourriture. Viens de la répétition. Viens, Seigneur, quoi, Père. Refaire les mêmes choses. Branham l'a dit. La même colonne de feu. Il sera là pour manifester la parole. Pour magnifier, Seigneur. Et confirmer le prophète. Alors viens confirmer le prophète. Viens confirmer la parole. Viens confirmer le message. Que cela vient du Très-Haut. Et que Satan ne puisse rien voir. Seigneur, pour Satan, que ça soit des tonnerres, Seigneur. Et pour le Fils de Dieu, ça soit la voix de Dieu. Va écouter, Père Céleste. Ainsi, bénis la parole que vous venez. Bénis le peuple que nous sommes. Bénis le pour tout entier réparti dans le monde. Cette épouse qui est encore scellée. Mais je sais que Dieu brisera le sort de l'épouse afin qu'il se manifeste et qu'il marche sur la terre et qu'il finalise les choses. Nous voulons être l'un d'entre eux, Seigneur. Ainsi, fais-nous grâce ce matin pour cette adoration. Nous sommes dans une bonne attitude. Nous puissions être dans l'attente de quelque chose que Dieu a promis. Ainsi, Père Céleste, laisse-tu guérir déjà les malades, Seigneur. Tu consoles les affligés, tu délivres les captifs et tu donnes tu enlèves l'incompréhension à la pensée de chaque adorateur. Oh Seigneur, aimez la foi véritable, celle qui croit la parole, celle qui comprend la parole, celle qui saisit la vision. Ainsi à cause de la paix, plus les lèvres du prédicateur, plus le sera paix, afin que l'impureté quitte, afin que ce qui est humain puisse être dégagé et que Dieu seul soit connu comme vrai, puisse s'exprimer, Père. Merci Seigneur, reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous asseoir. Venez la vanne.
Seigneur vous bénisse. Comment Zambi c'est ma beno. Je crois que nous ferons peut-être des questions-réponses, mais il y a une question ici qui avait été posée lors de la prédication. L'évangile lors de votre prédication, vous avez dit il n'y a pas une église qui est au modèle de Branham Tabernacle. Ma question est si Branham Tabernacle était le modèle de la Pentecôte ou plus, pourquoi pour l'église qui est l'épouse, quelle est la pièce maîtresse qui manque pour l'église au modèle de Branham Tabernacle? Parmi les faux, il y a aussi des vrais ministres ou l'épouse. Parmi les faux, il y a aussi des vrais ministres ou l'épouse de Dieu. Celui qui a posé la question peut-être il peut m'aider pour vous montrer une église qui le connaît, où il y a même le Branham Tabernacle lui-même. N'est pas le modèle quand Branham était là. Non pas qu'il n'y a pas les vrais. C'est que Dieu accomplit les choses selon son temps. Amen. Amen. Juste au temps de la pression. Et vous verrez le pouce s'élever. Vous verrez la vraie communion. Et ceux qui sont là-bas, qui sont de cette église, vont s'unir ensemble. Dans les conventions, ils se battent eux-mêmes à la chaîne. Ils font comme le Simon des magiciens. Ils font une convention. Ils appellent le pasteur Joseph pour le ridiculiser seulement. Ce sont les enfants de Dieu. Toutes les conventions, c'est comme ça. Lui, de quoi parle le troisième, on va l'amener. Après, on le ridiculise. C'est le Simon des pharisiens. Il y a des pharisiens aujourd'hui. C'est pourquoi je n'ai jamais associé à une convention. Si il y en a, montrez-moi là où ça reste. Partout. Ici, Kanyos. Quel est-ce? Ça veut dire que l'épouse n'est pas là. C'est l'épouse qui connaît son époux. Amen. Amen. Donc, Branham est le messager de l'âge Laodicée. Branham est le messager de l'Odyssée. L'âge Laodicée, c'est l'âge pentecôtiste. Donc, il est envoyé à l'église de l'Odyssée afin de sortir une église donc, une femme. C'est l'église, c'est une femme. Il doit sortir une femme qui appellera l'épouse. Amen. C'est ce que le message fait. Ce le message est adressé à tout le monde. Mais en fait, il y a un contenu de message qui va faire sortir l'épouse. Amen. Et cela est scellé dans le pays. Et c'est le mystère de cette sorte. Si quelqu'un ne croit, celui qui ne croira pas, ce qui sera dit dans le sort, n'est pas le pose. C'est ça le test. Ce n'est pas le pentecôtisme. Amen. Amen. Donc ça ne veut pas dire que il y en a déjà en train de te préparer. Là où nous sommes, il y a des membres de l'épouse. Vous n'êtes pas manifeste. Amen. Amen. Mais disant que la colombe blanche, c'est l'épouse. Non, non. C'est une église d'épouse. Non, non. C'est une église dans laquelle il y a des élus. Amen. Amen. Donc amen. Partout c'est comme ça. C'est pourquoi il y a les mâles. Oh, le frère a fait ceci. Oh, le pasteur a fait ceci. Oh, ça, ça, c'est pas faire mal. Mais quand l'épouse va réunir, c'est la perfection. Le Branham Tabernacle de 1963. C'est la perfection. Amen. Amen. C'est ça le modèle. C'est la même chose. Branham est le modèle. Le ministre de Dieu. Si on ne voit pas ce que Branham faisait en nous, on ne peut pas dire que nous sommes les ministères de l'épouse. Tu conduis les gens où? Il faut conduire les gens là où Branham est arrivé.
Mais pour conduire, il faut que toi-même tu arrives là. Moi, je ne fais que dire ce que Branham dit. Même si moi, je n'arrive pas, mais je dois dire. C'est pas tromper les gens, je suis ouvert à 11h. Non, c'est pas, les choses de Dieu, on ne se prétend pas. Juste manifeste et confirme. Paul dit quelque part, il dit que le preuve de mon apostolat, pour prouver que je suis dit que Dieu a prouvé cela. Je ne sais pas si je peux le trouver. Dans 2 Corinthiens. Na Zolea Corinthe. Ikapu ya kumi mosi na Zole. Lenverdeno. 2 Corinthiens 12. Zolea Corinthe ikapu kumi mosi na Zole. Verset 12. Zolea kumi mosi pe na Zole. Comment ça veut dire? On dit, j'ai été un insensé. Vous m'avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé. Je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence. Quoique je ne sois rien, les preuves de mon apostolat ont été éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des produits et des miracles. Amen. Amen. Et les preuves aussi d'un envoyé de Dieu est confié par des signes. Après une longue patience, avec un grand travail, parce que Abraham a dû travailler. L'accomplissement de ce qu'il cherchait, ça a été taillé par la patience. C'était une foi taillée par la patience. Une foi taillée par la patience produit la fidélité. Donc, Dieu confirme qu'elle est fidèle. Amen. Alors, on arrive aussi au produit des miracles qu'a produit Branham. Branham est plus que ce que j'ai produit. Montrez-moi ça, où. Amen. Il dit même, que vous les Américains, pour avoir des petits soulèvements. Mais en Amérique, il y a des miracles. Et pendant appelle ça les petits soulèvements. Ok, quelqu'un reçoit un mot, ça c'est les petits soulèvements. Amen. Parce que le pouce monte au créneau. Sur une plateforme que Branham a préparée. Voyez que même l'isolé interprète ça. L'isolé dit que c'est Branham qui a préparé les plateformes auxquelles il a mis les montées. Amen. Maintenant, prouvez ça aux gens de l'isolé. Prouvez les miracles qui vont leur dépasser. Et dis ça. Nous allons plus loin. Les musulmans disent l'homme que Jésus avait promis qui doit chevaucher le monde entier, c'est Mahomet. Cherchez à prouver ça. Au temps de Branham, il a prouvé. Il a prouvé que ce n'est pas vous. Il n'a plus le Coran, il n'a plus la Bible. Mais aujourd'hui, qui? Quel est ce serviteur là qui s'est levé? Il n'y en a pas. Il est fait. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes censés de dire avec. Même si moi, même la chose, je ne le vis pas. J'ai dit. Amen. Parce que j'ai dit, si, que celui-là qui va monter quelque part, s'il est assis sur le banc ici, il va engraisser ses vitamines. Ça va lui encourager. Mais si je dis qu'il y a déjà, il sera découragé. Il n'y en a pas. Le corps de Christ est malade. Le message est déjà discrédité. Allez au destin là-bas. Combien de dossiers de pasteurs? Combien de dossiers, d'autres crimes? Les choses que les païens ne peuvent pas faire. Passer du message. Après, le monde va respecter le message. Vous pouvez respecter ça. Amen. Mais Dieu ne faillit pas à ses promesses. Il accomplira un jour. Donc, c'est ça. Amen. On ne prétend pas.
C'est moi. C'est Dieu lui-même qui sait. Mais nous qui sommes là pour prêcher, on doit dire ça. Il y a d'autres qui ont dit la vérité sans rentrer. Ils ont été couronnés. Et la vérité qu'ils ont dit, ça reste toujours. Mais un tel avait dit ceci. Amen. Amen. Et que celui-là auquel tu vas chevaucher. Parce que là, on va te voir, là, qu'est-ce qui chevauche? Il y a aussi quelqu'un qui va chevaucher le monde. Oh, Branham est parti. Branham est quand même. Branham dit quelqu'un. Nous sommes quand on arrive dans le 7e, vous allez voir que quelqu'un va chevaucher le monde. Aujourd'hui, on dit c'est Baruti. Que Dieu le bénisse pour ça. Il est courageux. Amen. Parce qu'il faut, il faut accomplir les promesses. Oh non, c'est dans les pouces seulement. Non! Avant qu'il y ait un village, commence par une seule personne. Amen. Mais ce n'est pas tout le moment où vous êtes nombreux, non? Il faut avoir un qui doit amener le feu. Qui allume le feu, et les autres vont allumer un certain. Branham a allumé le feu. Et les autres ont allumé. Moïse arrive. Il allume le feu. Les autres allument. Donc comment Dieu commence? Il est unique. Il commence. Amen. Donc il doit avoir quelqu'un qui va chevaucher. Coleman. On disait c'est lui qui chevauche. Mais quand il est mort, les gens continuent à croire tout chez lui. Non, ce n'est pas un mort. C'est un vivant qui va chevaucher. Amen. Amen. Vous pouvez peut-être croire Baruti. Amen. Peut-être lui. Mais moi, le miracle c'est bon. Mais l'enseignement, ça ne tient pas. Ne crois pas la plénitude. Il n'est pas dans les sept sons. Amen. 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 Comment peux-je prêcher sept sons? Je ne crois pas la plénitude. Donc, il est serré à l'extérieur. Amen. Amen. Son don de guérison, c'est bon. Oh, je suis malade, je vais, il va prier pour moi. Mais l'enseignement, ça ne tient pas. Amen. Amen. C'est un serviteur de Dieu. C'est un grand serviteur de Dieu. On a beaucoup de respect pour lui. Amen. Amen. Mais la place, là, il n'a pas ça. Amen. Amen. Il devait déjà chevaucher. Moi, je devais déjà corriger ce que j'ai dit par lui. Amen. Amen. Comme était Coleman. Coleman a prêché les choses. Où école les autres prédicateurs sont corrigés. Il est parti déjà. Amen. Amen. Donc nous allons poursuivre notre Dieu. Nous sommes arrivés au troisième saut. Voyons que l'Antichrist, il chante, nous avons dit l'Antichrist, c'est le nicolaïsme. Donc, il est anti-parole, mais il combat l'Église. Il ne combat pas Jésus parce que je sais que Jésus est plus fort. C'est que Dieu est plus fort, mais il est contre la parole. La parole donnée à l'Église. Et il change. Nous avons dit que c'est son décès depuis le ciel. Et depuis la nuit des temps, bien sûr. Et jusqu'il est descendu ici. Nous avons vu dans le premier saut que c'était un esprit seulement. Il commençait à faire des œuvres. Nous avons vu la changer, il devient une doctrine. Et c'est devenu un faux prophète. Là, c'est sous le faux prophète. Ça m'a échappé ce que je voulais dire. Ouais. L'Antichrist. Il change les étapes. Amen. Amen. Il change l'étape. Et il est un faux prophète. Et nous avons dit, la Bible l'appelle le faux prophète. Nous avons dit, le monde l'appelle le pape. Il n'y a que un vrai prophète. Dans son temps, il était l'Antichrist. Faisant les œuvres ainsi de suite. Il est devenu un faux prophète. Depuis l'âge de Pergame. Lorsqu'il a uni l'État et l'Église. Nous avons dit qu'il avait une épée. Il l'a tué. Et si nous le voyons, il était dans le cheval rouge, le cheval du sang. Mais il était dans le cheval noir. Et le cheval noir, c'est le cheval du ténèbre. Amen. Mais
là il est la mort. On a une le foi. Et Fanam dit que c'est depuis l'ouverture du deuxième saut qu'il s'est introduit pour prendre ce cheval noir. Puis là de Tchatchi. Et maintenant, il est dans le noir, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend une balance. Amen. Il prend une balance. Et cette balance, il commence à vendre. Il dit, ici, un mesure pour un denier. Amen. Un litre pour 3 000. Ici, 6 000 pour un litre, ainsi de suite. Amen. Parce que le denier, 3 000 pour un litre ou un kilo de riz. Ça m'a un litre, un kilo et l'eau. Du blé. De la farine, du blé. De la farine. Et il vendait. Il est noir. Il est méchant. Il fait qu'il a mort, mais il vous donne le manche. C'est le tactique, c'est pas. C'est la politique. Nous avons vu le prophète que la politique. Quand la porte, vous venez à l'église, il descend d'abord dans le roi, dans les chefs de l'État. Le chef là entre à l'église au travers du pasteur, le prédicateur, et ils introduisent ça dans l'église. C'est le même système qu'il fait. Regardez, lorsque on nous dit que l'élément, les matières qui ont servi de constituer la bombe atomique provenant de RDC et de l'Afrique du Sud. Maintenant, aujourd'hui, les matières des batteries, des ordinateurs qu'on fabrique là, ça provient d'un matière qu'on appelle le cobalt. Et le seul pays, la guerre de RDC, c'est pour le cobalt. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans une zone, ils prennent les ministres, ils créent des situations. Ils chassent la population de cet endroit et leur donnent un camp de sinistrés. Et ils viennent, ils amènent la MONUSCO, donc l'ONU, protéger cette partie et sont en tête de creuser. Parce qu'il sait qu'en achetant, le pays sera riche. Donc il faut prendre ça comme ça. Et maintenant, quand on met le sinistré, le docteur vient, le l'autre rit, on soigne bien. Mais c'est eux qui ont fait ça. La politique. Et c'est cette même politique qui rentre dans la parole. Il est en train de vendre. Nous avons vu ici qu'est-ce qu'il vend. Amen. Il a sa balance. Il vient pour vendre. Amen. Amen. Et il fait pareil. Il est le faux prophète. Nous avons dit que ce qu'il vend, c'est. Tant pour ceux qui n'étaient pas ici. Ce qu'il vend, c'est le dogme. Amen. Amen. Un dogme. Vous pouvez changer d'interprète. Le dogme, je suis rapide, toi tu restes un peu en bas. Un dogme, c'est un enseignement de la parole, mais qui n'a pas de fondement dans la parole, dans la Bible. C'est ce qu'on appelle un dogme. Maintenant, c'est ce qu'il mettait. Nous avons vu les dogmes qu'il a eu. Amen. Qu'il vendait aux gens. Les gens avaient la parole. Même il n'y avait pas la parole. Parce qu'il a tout tué. Ils ont fait, les catholiques ont fait 1000 ans. Aucune église ne sort. Les protestants sont sortis 1500 ans après. Donc ils ont eu un millénium. Personne ne peut se lever. Parce que quoi? L'État et l'église s'étaient unis. Et il y avait une charte. Si tu veux commencer l'église, va prendre les papiers là-bas. Et quand tu viens là, on t'impose. Et ici, par le nom de Jésus. Le nom de Jésus avait disparu. C'est, là, Fanam dit, le pouce était, de Jésus était tombé. Était enterré. Il n'y avait plus rien. Donc, il devait ressusciter un jour. De 1000 ans. Ils avaient fait quoi? Ils ont amené dans le dogme du Père, adoré au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Oh, le mystère de recevoir le Saint-Esprit se trouve dans le nom et dans le baptême de ce nom. C'est ce que Banam revêt dans
leçon. Amen. Amen. A prêché le nom de Jésus ou le baptême du Saint-Esprit. Bon, si tu me dis que tu as le Saint-Esprit et que tu n'as pas le nom de Jésus, c'est faux. Amen. Amen. Alors il change le lieu d'adoration. Le nom d'adoration. Amen. Et il va. Le baptême, il prend quoi? L'aspersion. Trouvez-moi ça dans la Bible. Trouvez ça dans l'histoire. Avant la question de l'Église catholique. Ça n'existe pas. Et bonhomme dit, ils ont ajouté un nouveau dogme en 1950 qui dit que Marie était enlevée au ciel. Et ils ont incorporé cela dans le calendrier. Tout ça leur appartient. C'est une religion seulement. Mais comment le calendrier c'est pour eux? Comment ils ont la besoin de mettre dans le calendrier? Chaque jour, ils mettent des noms dans le calendrier. Tous les noms dans le calendrier sont catholiques. Et Bernard est catholique. Quand vous voyez Joseph dans le calendrier, ne pensez pas que c'est le Joseph de Marie, non. C'est le Joseph catholique. Amen. Le calendrier biblique, il n'y a pas de mois de mars. Là-bas, il y a Aziz, Abib. Il y a Nissan, ainsi de suite. Et quand vous voyez le Nissan, Abib, vous voyez que c'est le nom. Il veut dire quelque chose. Mais mars veut dire quoi? C'est une planète qui est représentée sur la terre. Amen. Le dimanche, c'est le jour du soleil. En anglais, Sunday. On dit Sunday aussi pour le fils de Dieu. Mais quand on écrit ça, on n'a pas écrit le fils. On n'a pas écrit le jour du fils. On a écrit ça comme ça. Okay. Ils écrit ça comme ça. Ça s'écrit comme ça. Son, c'est soleil. Son, c'est fils. Son, c'est la même prononciation. Oh, et c'est ça. Oh, ils adorent le soleil. Et vous aussi, on adore dimanche. Vous adorez le soleil. Oh, nous sommes dans le dimanche. Parce que le dimanche, c'est le premier jour. Oh, cela est dimanche le septième jour. Non, nous on n'adore pas le septième jour. On adore le premier jour. C'est ça la différence. Mais le monde entier, on leur fait adorer le dimanche qui est le septième jour, le jour du soleil. Et tout le monde entier adore l'Église catholique. C'est lui le prophète. Le faux prophète. L'antichrist. Amen. Il a un cheval noir et il est en train de vendre. C'est lui. Tout ce qui presse dans votre troisième temps, c'est le vieux de pape. Amen. On va dire le prophète. Il trouve ça où? Non, c'est pas Branham qui a dit. Il trouve ça, c'est leur faux prophète. Lui, il avait tout préparé. Il était intronisé au trône. Avec cette tête. Amen. Il dit dans le 700. Je ne sais pas si tu fais comprendre. Moi, je me sens bien. Quand je suis venu, je me sentais malade. Quand je me sens bien. Merci pour la prophétie. Je me suis senti malade. Quand je me sens bien. Parce que la prof, il y a une prophétie qui est montée ici. Il a dit de changer l'interprète. Dès que j'ai changé, je me sens maintenant bien. Je me sentais malade, c'est comme si je vais vomir depuis là-bas. Mais que le Seigneur soit béni. Deuxième saut dans l'exposé, dans cette saut. Deuxième saut. Page 205, paragraphe 186. Il dit, d'abord, maintenant, souvenez-vous de ceci. D'abord, ce qu'il est, c'est un esprit antichrist. Jean l'a dit. Petit enfant, l'esprit de l'antichrist agit déjà dans les fils de la rébellion.
Vous voyez, cette chose avait commencé à agir. Ensuite, c'est devenu une espèce de dieu. Dans l'église suivante, dans l'âge de l'église suivante, c'était une doctrine. Et dans l'âge de l'église suivante, elle a été couronnée. Mais c'est aussi clair que si c'était écrit noir et sur blanc. Ah, il est arrivé comme ça. Bon, pour commencer, il a été appelé, comment? L'esprit antichrist. Parce qu'il était contre la parole. C'est ce qui a donné le départ. C'est exactement ce qui a provoqué tout ça. C'est de s'être détourné de la parole de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un jour Ève aurait donné une fessée à Caïn. Vous voyez, mais ce n'est pas à cause de ça. La première chose qui a convoqué tout ça, c'est qu'elle s'est détournée de la parole. Elle s'est détournée de la parole. Et la première chose qui a donné le départ à la prostitution, dans l'église Dieu vivant, le pouce de Christ, c'est qu'elle s'est détournée de la parole et accepté des dogmes romains au lieu de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé à chaque organisation? Elles ont fait exactement pareil. Chaque dénomination fera ce que Christ a fait. Tous ces dogmes sont romains. Amen. C'est à Rome où on adore plusieurs dieux. Saint Christophe, tout semble là. Saint Bernabé, tout semble là. Saint Charles, tout semble là. Branham est pris pour nous. C'est pareil. Amen. Amen. Mais dans l'église du Dieu vivant, il y a un seul intermédiaire, un seul médiateur entre les hommes et Dieu, Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, Émile, tout ça, ils sont ensemble. Mais ça vient de là-bas. C'est le chef. C'est lui, Satan. C'est le faux prophète. Donc, il a déjà formé un livre de dogmes. C'est comme ici, nous avons des brochures. Tout nos doctrines que nous croyons sont contenues dans ces brochures. Et aussi, il avait tout fait. Il a fait sortir un dogme. Ici, il y a des gens qui croient que nous sommes dans les millénaires. Et ils étaient dans les millénaires déjà. Quelque chose qui est contraire. Le millénaire ne peut pas s'installer sans la seconde venue. C'est la seconde venue qui est dans le millénaire. Ça veut dire que pour eux, ils croient que Jésus est déjà venu. Mais c'est déjà venu. Comme ils sont sur la terre ici. Le millénaire, c'est ici. C'est pour cette raison, il peut dire il peut commettre l'adultère sans gâtiment. Amen. Amen. C'est lui le prophète. Le dogme. Il la balance qu'il a, c'est pour vendre ses dogmes. Amen. Amen. Et c'est payant. Je continue à lire le livre. Vous êtes dans le troisième saut. Non, qui n'est pas un tatou. 272. On laisse d'abord ça. Je dois faire. Pour ceux qui n'étaient pas ici, il faut. Revenir un peu en arrière. Sinon, ils ne vont rien comprendre. Voilà ma raison que le dimanche, on ne devait même pas enseigner. Amen. Amen. Je lis dans le Dieu de cet âge mauvais. Le Dieu de cet âge mauvais. Leur dogme. Vous voyez que le troisième adosse un dogme. Nous allons voir les sorts de ceux qui croient troisième Adam. Ceux qui croient les dogmes. Le ciel est facile. Le ciel, Dieu n'est pas compliqué, mais l'homme est compliqué. On nous dit, mange seulement les pains avec les gâteaux. Mélangez avec les biscuits. Oh, t'as dit, mange seulement les pains. Pourquoi tu mélanges les biscuits sur la farine? Biscuits avec les farines, c'est quoi? C'est ce que l'homme est. J'ai le stage mauvais du 1er août 1965. Pranam Tabernacle. Paragraphe 44. Page 44, paragraphe 168.
Il dit, les enfants de la rébellion. Nous avons dit, Jean a dit ça, les fils de la rébellion. Dans la Bible pour lire la rébellion, la Bible parle. On dit d'abord dans Éphésiens chapitre 2, il dit, vous êtes, Éphésiens chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les temps de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Amen. Préfère le dogme. Éphésiens 5 également. Paul dit que personne ne vous séduite par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Rébeller, se contester contre la parole. Amen. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Comment savoir l'Esprit de Dieu? Ça, c'est le jour. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Tout cet esprit que vous venez vous parler que Jésus est Dieu, ça vient de Dieu. Amen. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas Dieu. Quelque chose, comment il va prêcher. Et qui ne croit pas que Jésus, c'est son adorateur. C'est son Dieu. C'est l'Antichrist. Il y a quelqu'un qui tient tout Christ. Il dit, il ajoute lui-même, verset 3, tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Quand vous avez appris la venue, depuis le temps de Jean, avant l'église catholique, l'esprit a été là. Nous avons vu ça dès le départ. C'est l'esprit qui est sorti de Judas. Amen. Amen. Et l'objectif de Judas pour séduire, c'est l'argent. C'est pourquoi Jésus appela l'argent mammon. Donc le monde est représenté par l'argent. Et c'est avec la stratégie, juste avec l'argent. Et le voilà ici dans le troisième soir, il commence à vendre. Il a besoin d'argent. Alors il dit, vous avez pris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Au temps de Jean, il était là. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Comment? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc il faut que tu aies quelque chose. Lorsqu'il va pour la conquête, il faut que tu aies la chose pour le rencontrer. Nous avons vu ici que dans le troisième saut, lorsqu'un cheval noir avec une balance, amen, l'être vivant va rencontre. Il est la forme de l'homme. Donc c'est la connaissance de la parole. Tu n'as pas la conscience de la parole, tu peux acheter n'importe quoi. La vente même au marché. Tu ne connais pas le Tulondo. Il y a deux personnes qui se ressemblent. Il y a un bar. Il y a un bar. Et Tulondo, c'est un peu long. Donc, on le connaît par la bouche. Mais tout ça, c'est bien. Et le bar semble plus attirant que le Tulondo. Mais le Kilondo est plus beau. Pas à manger. Donc je ne connais pas. Kilondo, un peu ça. Il y a un bar. Il y a un bar. Le bar, quand tu prépares ça, sa chair est dure. Il y a un Kilondo. Il y a un Kilondo. Il y a un bar. Tu n'as pas la connaissance de ce que tu achètes. On va te acheter seulement. Tu vas avoir la connaissance. On peut mettre le chat ici et la civette. Les balles ensemble. Tu vas acheter le chat. Ah, merci mon bala. Il y a un chat. Mais qu'est-ce qui a fait ça? La connaissance de la chose.
Amen. Pendant que lui il va, il faut que la connaissance sur ce qu'il doit manger. Qu'est-ce qu'il vendait? Le survie de l'homme sur la terre. Le pain. Tu dis pas. Ça l'aide la farine. La farine. Qu'on fait du pain. Parce que c'est là qu'il dit pas. Et les pays qui importent du blé ou de l'orge, la farine. C'est des pays riches. Il y a la Norvège. Il nourrit tout l'Asie. Il y a l'Israël. C'est lui qui nourrit les États-Unis. En matière de blé. Ils sont riches. Parce que chaque jour on doit manger. Chaque jour on n'achète pas le pétrole. Le pétrole est descendu. Mais la nourriture est descendue. Ça ne fait qu'augmenter. Amen. Amen. Et lui, c'est, il vend la survie. Maintenant, toi, pour vivre, tu as besoin de la nourriture. Et ici, maintenant, c'est la parole. Amen. Amen. Il te vend les dogmes. Et tu n'as pas la connaissance. Tu vas dire, Amen. 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 Il va te montrer le miracle. C'est comme nous solos. Parler de la semence originelle. Page 13, paragraphe 113, traduction en voix de Dieu. Il dit, je crois que toute parole ajoutée à cette Bible, amen, cherchait l'aspersion, le baptême des enfants. Je l'ose pas. Ça y est pas. C'est un dogme. Ou un credo. Amen. Cherchez ma troisième dans la Bible. Cherchez. Vous ne la trouverez pas. Cherchez là-haut. Quelqu'un doit être enlevé. Comme Élie. On a été enlevé. Les morts sont déjà ressuscités. Paul dit, si ils sont restés, moi je suis malheureux. Et Banam dit, quand je ressusciterai. Amen. Il prie pour que nous puissions avoir de la force. Donc chaque chose ajoutée à cette Bible est un dogme. Il dit, quiconque est coupable d'avoir fait ça, sa parole sera rétractée au livre de vie, Apocalypse chapitre 21. Tout ce quoi, troisième année, sont déjà perdus. Les âmes qui sont maintenant en prison,
Amen. Amen. Ne voyez pas les apparences. Voyez le contenu. Ce qui est caché. Il est caché. Est révélé par les sept choses. C'est grave. Hein? Je suis en train de discréver toute une église. C'est grave. Ce jour-là, on sera tous des témoins. Il dit. Est-ce que Branham ajoute? Il ne fait que donner la validité à ce que la Bible a dit. Quiconque ajoutera quelque chose à ceci ou retranchera quelque chose de ceci, je ne crois pas qu'il y ait aucun credo, aucun dogme, ni rien d'autre que la parole littérale de Dieu. Qu'il soit le plan de Dieu. Tout ce que je n'ai pas ajouté n'est jamais dans le plan de Dieu. Tout le reste est un péché. Il y a quel est du soumou. Emile Dieu, c'est un péché. Il y a quel est du soumou. Pranam et Dieu, c'est un péché. Il y a quel est du soumou. Il est toujours de saint péché. Il ne restera pas impuni. Je punis chaque péché. Et serai éternellement puni. Tout homme. Tout credo, toute dénomination, quoi que ce soit, qui ajoutera quelque chose ou retrouvera quelque chose d'une seule ponctuation de cette parole, même la virgule, même le point de guillemets, Dieu, il n'est pas un Dieu d'hier qui aurait écrit un livre et aurait remis entre les mains d'un groupe d'hommes et qu'on n'y trouve plus. Mais non, il joue le monde d'après ce livre-là. Il va juger d'après la Bible. Amen. Alors, montrez ce que vous croyez dans la Bible. Amen. Amen. Et ce que Jésus avait dit, Jésus avait dit quoi? Matthieu, parce que Branham interprète la Bible, Matthieu, chapitre 7. Il avait dit ça. Matthieu, chapitre 7. On dit souvent ça, mais on ignore. On doit voir la solidité de cela. Verset 21, il dit. Ceux qui me disent, ça c'est Jésus qui parle. Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui, tu as prophétisé. Tu as sauvé les gens. N'avons-nous pas chassé les démons? Tu as fait les miracles, oui. Par ton nom. Et n'avons-nous pas beaucoup fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais on ne connaît pas l'iniquité là, c'est quoi? Maintenant, on doit voir les prophètes pour parler qu'est-ce que c'est cette iniquité là. Et celui qui commet ça, celui qui ne le connaît pas. Et toi tu dois aussi l'ignorer aussi. Si c'est un passé, n'est pas de l'épouse. C'est un pâtre. Il y a une iniquité là. Pâtre. Un pâtre, c'est celui qui paie les autres animaux. Parce que le mot berger, c'est le mot brebis. Un berger, c'est celui qui paie les brebis. Le cochon, les chameaux, c'est les pâtres. Amen. Amen. On dit le frère Branham. Dans les réalités infaillibles du Dieu vivant, dimanche 26 juin 1960 matin, à Branham. Les iniquités là, c'est quoi? Branham va interpréter le même verset de Matthieu 7. Pour lui montrer l'iniquité, il va faire que Jésus ne le connaît pas. Dimanche, j'ai été malade. Je n'arrivais pas à me lever. Aujourd'hui, ça a voulu commencer. Non, on ne va pas m'envoûter.
page 25, paragraphe 175. Il dit. Oh, il est de même aujourd'hui. Il y a beaucoup d'hommes iront dans un séminaire pour apprendre. Oh, un géant intellectuel va apprendre tous les Grecs et tous les restes. Mais quand on arrive à la vérité, il donnera la force de son instruction au Seigneur. Oui, de son cœur, il donnera à l'Église et pas à Dieu. Voilà le problème qu'ont les gens aujourd'hui. Ils veulent suivre leur credo. Ils ne veulent pas de réalité du Saint-Esprit. Ils ne veulent pas agir différemment de la même manière dont ils ont toujours agi. Mais quand vous devenez un chrétien, vous êtes une personne spéciale, un sacerdoce royal, un trône de nation, un peuple étrange, faisant des choses bizarres et étranges, inconvenantes pour le monde. Mais, et quand vous êtes dans le monde, vous êtes inconvenant pour Dieu. L'un est contraire à l'autre. L'un vous fait agir comme agit au ciel, l'autre comme agit sous la terre. Alors, et si les gens veulent agir comme on agit sous la terre, et puis continuons en disant qu'il va au ciel. Quelle déception ce sera plutôt. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi en ce jour-là. Il sera des dizaines de millions. Et diront, j'étais membre de ceci. Dans le message, j'ai accompli ceci. Il a dit, retirez-vous de moi, ou viens d'iniquité. Vous avez servi de credo. Amen. Amen. Je dis peut troisième adam, Jésus ne le connaît pas. Mais pourquoi le craindre? S'il vient avec ça, s'il vient de pourri. Amen, c'est pourri là. Ne l'achète pas. Mais on vous amène troisième adam. Dit que c'est pourri. Ne discutez pas. La mousse sort dans la marmite. Mais c'était pourri.
Maintenant, mange. Quand tu manges, c'est des ascarismes, des amibes, des kystes. C'est ça qui apporte ça. C'est ça le fléau. Amen. Mais ça n'est que la connaissance. De connaître ce que je mange. Ce que je mange, c'est le spiritualisme. Amen. Amen. Celui qui va, il va pour lui. C'est toi maintenant. Mais ici, troisième Adam, dogme, iniquité. Si tu manges ce soir, ton âme est retranché du livre. Il y a quelqu'un qui est retranché. Amen. Amen. Oh, une grande église. Si vous êtes tranché. Si vous êtes tranché là-bas. Amen. Amen. Celui qui a la vision. Quand il est dans le ciel, il s'est retranché. C'est pourquoi il faut aussi demander l'expérience avec Dieu. Il faut vous ensemble. Il y a des visions. Il y a des connaissances. Il y a des prophéties. Il y a toutes ces choses. Il y a ce qui se cache. Il y a des luttes. Tu vas voir que. Il y a des luttes. Il y a un homme qui est là. Si. Oh, c'est un cochon qui prêche. Amen. 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 Et Fernand me dit que en cela, ils ont déjà traversé la ligne de dégâts. Il est dans l'accusation. Page 38. C'est la continuité de Matthieu 7. Yeah, il dit, Jésus dit, c'est en vain qu'il m'adore. En vain, c'est du néant. Tu pries, il n'y a rien. Tu pries dans le vide. Je cite nous solo. Néant. Amen. Amen. Ce n'est pas les gens qui sont là. Quand nous parlons, il y a des gens qui sont là. Mais il faut qu'ils entendent ça. Pour qu'ils sortent. Si un ennemi entend ça, il va sortir. Amen. Il dit oui. C'est du néant. Qui adore-t-il? Oh, ils adorent le même Dieu. Ils adoraient le même Dieu. Lors de sa première crucifixion. Lors de la première crucifixion. C'était une vaine adoration. Quand on a tué Jésus, mais ils adoraient, non? C'était la Pâque. C'était le jour de la Pâque. Jésus à la croix. Et la Pâque. Samedi dans la messe. Hein. La messe des rameaux. La mandala. Mais Jésus avait crucifié. Amen. Amen. Est-ce qu'il priait? En fait, il priait. Parce que l'objet de l'adoration est crucifié. C'était une vaine adoration. Aujourd'hui, c'est la même chose. En fait, ils ont établi toutes ces dénominations. Une dénomination de ceux qui prêchent le dogme. Baptême de Branham. Branham, c'est le véritable Dieu. Il est enlevé. L'enlèvement, c'est par la mort. Tout ça là, c'est ça qui donne la dénomination. Quand l'Église donnait les dogmes, il y a eu changement. D'une femme à une prostituée. C'est la même femme. Il faut avoir la connaissance. Elle savait une prostituée. Ils sont coupables de crucifier le prêtre.
connaissent la vie en enseignant des doctrines d'hommes au lieu de sa parole. C'est un vrai qu'il m'adore. Amen. Il dit, les moqueurs le couronne à nouveau des pines aujourd'hui. Du haut de la chair. Leur credo se pince. En passant, c'est à la chair. Plus du troisième adam, c'est le crucifié Jésus. Pour la seconde fois. Amen. Et il est coupable. Le bonhomme dit, je le rends coupable. Le bonhomme a déjà jugé le monde. Il a déjà accusé le monde. Il a crucifié son Seigneur pour la seconde fois. Et Jésus, c'est la parole. Et quiconque mais se rencontre avec William Branham crucifie Jésus. Amen. 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 On a dit le crucifier par le credo. Amen. Amen. Et il a sa balance. Amen. Qu'il a de le vendre. Ce qui est le vendre, c'est les dogmes. Amen. Amen. Les paroles, les enseignements, si les commandements ils ne sont pas bibliques. Expliquant le mystère, ça même si les choses semblent convaincantes, c'est bon. Mais si ça ne sort pas de la Bible, ne prenez pas. Parce que la Bible, c'est le livre total de la rédemption. Toute la création est dans ce livre. C'est l'un de ces choses, c'est ça. Amen. 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 Où toi tu vas trouver autre chose? Tu dois combattre ça. Il n'y a pas aussi quelque chose à trouver. On combat seulement ça. On met le contraire de ça. Amen. Amen. Alors ici, c'est ceux-là. Ce, il dit, quand il y a la balance, l'être vivant est allé à l'encontre de cet antichrist sur le cheval noir. Vous savez, dans le deuxième sens, il a pris les paix rouges pour aller tuer l'esprit du veau et entrer dans le peuple. Et les gens mouraient. Pas ta mort, mais à la mort. Parce que chacun a sa mort. Non, tu vas mourir à 80 ans. Mais ça, c'est une mort. Si tu recules, tu vas arriver à 80 ans. Mais la mort est là, à 20 ans. Et il prend ça, je mets pour moi. Le reste là, je vais continuer ça aussi. Non, le reste là sera réservé encore sur la terre. Amen. Amen. Adam, il Adam était donné de vivre 1000 ans sur la terre. Le dernier qui a vécu longtemps, c'est Metouchala. Il a fait 965 ans. Il a fait 35 ans. Les 35 ans là vont être restitués. C'est pourquoi nous viendrons ici pour faire 1000 ans. Amen. Amen. Il n'y a rien à perdre. Il n'y a à perdre pour un fils de Dieu. Tu meurs à 15 ans. Tu meurs à 20 ans. Le problème c'est de rentrer. Si tu rentres, tu vas le retrouver. Amen. Amen. Comment avoir cette révélation? Il faut avoir l'esprit du sacrifice. Il faut avoir un peu de caillou. Être une vache. Parce que le peuple doit donner la vie pour les gens. Il doit sauver les gens. Il faut les sauver. Pour les autres là. William Branham dit, leur sang a été mêlé au sang de Jésus pour que la parole devienne puissante aujourd'hui. Ils ont donné la vie pour nous. Ils n'ont pas fait ça, il n'y a pas continuité. Quand ils ont donné la vie, il y a continuité. C'est pourquoi tu adores ce sujet. Mais il fallait la révélation. Et ça, c'est pour les jeunes. Quand Jésus a dit, je vais perdre. Parce que je mettrai quelque chose. Amen. Et voilà, lorsqu'il est parti, avec la balance, un mesure pour un denier. Un mesure pour un denier. Tête, la voix sortie de dehors. L'agneau dit, ne touche pas à l'huile au vin. Interdiction de toucher à l'huile au vin. Ne le tue pas. Parce qu'au moment il tuait ceux qui contestaient. Au même moment, il tuait ceux qui vendent, ceux qui achetaient. Maintenant, ceux qui résistaient, n'achètent pas. Non, il faut le tuer, ne le tue pas.
l'ordre donné de Dieu. Ça va même pas ça moi. Elle a c'est elle qui nous ensemble. Le côté que j'aime Satan, c'est ça. Satan aime. C'est Dieu qui parle de Dieu. Il discute plus. C'est un vrai croyant. Il croit. Papa, tu le cherches. Amen. Amen. Quand tu vas le chercher, Dieu aussi le prend. C'est là où les gens ne comprennent pas. Ah, c'est là où il est méchant. Comment il peut envoyer les mal? Mais oui, lui, il sait que toi, pour avoir cette vertu, il te frappe. Amen. Oh, je cherche Satan. Il y a d'autres qui disent, je cherche Satan. Je cherche Satan, toi. Je ne le cherche pas, toi, tu le cherches. Quand tu le cherches, il y a derrière Dieu. Il y a des animaux. Je te cache Satan. Tu vas le trouver lorsque tu vas chuter. Tu vas voir Satan personne. Il est là, Satan est dans toi. Qui me fait me contacter kuna? Mais comment? Amen. Il est en train de chevaucher. Un jour, il va se dévoiler. Quand on verra Satan en face. Amen. Et le peuple de Dieu verra Dieu aussi en face. Amen. Amen. Il contemplera Dieu. On a contemplé William Banham. Amen. Nous lisons dans les sections la balance. Laissez-moi relire le prophète. 272. Amen. Il dit, sur l'âge des ténèbres, le voilà votre cheval de couleur sombre. Il représente l'âge des ténèbres. Tout espoir s'était envolé. Plus le moindre espoir. Tout semblait noir pour le petit groupe de croyants. Maintenant, voilà la raison pour laquelle c'est appelé. C'est représenté par le cheval de couleur sombre. Sa balance, ou sa balance à plateau. Il y a deux plateaux. Quand c'est vide, Matthieu fait 8 aussi. C'est pareil. Nous sommes Kamos. C'est Jésus aussi. Il y a l'équilibre. Hein? Il y a d'autres équilibres. Amen. Amen. C'est la balance qu'il avait. Il écrit. Il mesure pour des blés pour un denier. Il mesure d'autres pour un denier. En fait, ce sont les blés et l'orge. Ce sont les éléments de base pour le soutien de la vie naturelle. C'est avec ça qu'on fait le pain. Mais vous voyez, il faisait payer cela. C'est que ça veut dire qu'il faisait payer à ses sujets cette sorte d'espérance de vie qu'il leur offrait en le faisant. C'est précisément à cette époque-là qu'il a commencé à leur faire payer les prières. Amen. Amen. Une messe de guerre aujourd'hui coûte 3000 francs, non? Oui, nous sommes là-bas, ok, 3000 francs. Quand quelqu'un qui meurt, 45 jours, paye 3000 francs la messe. Pour qu'il quitte le purgatoire pour monter aussi. Il y a l'équilibre. Mais il y a des déséquilibres. Mais quoi ça? Les gens sont là. Pas tout ça. Mais ça, c'est une prière. Mais c'est nous sommes là. Il y a une salle qui nous m'a fait sans répentance. Amen. Amen. Sans vide. Il y a quel empamba.
Il demandait de l'argent pour prier. Il le faut encore maintenant. Les neuvaines. Les neuvaines, donc c'est une sorte de jeûne qu'il faut. En effet, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il s'emparait des richesses du monde. La balance pesait. Une mesure de blé pour un denier. Le cavalier sur le cheval noir, voyez-vous, il dépouillait ses sujets de leur argent. Alors que la Bible a prédit, il détient à peu près toutes les richesses du monde. Comme nous le disons hier soir, on parle de la Russie. La Russie avait chassé toutes les églises du christianisme. De la Russie, parce qu'ils voyaient que tout l'argent allait seulement bien l'église. Il faut acheter les bougies. Bougie siège. Il y a quelqu'un qui fabrique ça aussi. Ça vient de Rome. Il y a quelqu'un qui fabrique ça aussi. Les médailles. C'est eux qui trouvent ça. Ils ont eu ça où? Amen. Donc ils vendent les bougies. Les cartes des membres. Cartes d'adhésion. Donc, tellement ils vendaient. Les riches avaient. Oh. Les riches étaient riches à cause de. Ils sont sortis. Vous savez qui a fait rentrer l'Union soviétique? Amen. Vision de bonhomme. Il voit un jeune Finlandais écrasé. La tête écrasée. Les os sont sortis dans les pantalons. Bonhomme dit, j'ai fait une vision. Je ne sais pas où. J'ai vu un enfant qu'on a écrasé. Et je suis passé et il est ressuscité. 2 ans plus tard, il s'est rendu maintenant en Finlande. C'est la zone de l'Union soviétique. Il s'est rendu là-bas. Et maintenant, il partait pour chercher à prêcher. Parce que là-bas, on n'autorisait pas les ministres chrétiens de prêcher. C'est l'islam seulement. Il arrive quelque part un accident. Les os sont sortis de pantalons. La tête est écrasée. Les pantalons déchiquetés et tout ça, les pieds, il n'y avait plus rien. Ils sont arrêtés. Il y avait une foule. Et les gendarmes sont venus aussi. Madame dit, oh non. On fait marche en arrière. Dès qu'il veut faire marche en arrière, la main le tient. Il y a des gens qui ne voient pas. Il y a des choses ici qui ont fait cette main. La main de Dieu. N'a pas peur. Tu vas aller bon, ma fille. C'est un jour la main de Dieu. Tu vas que c'est Dieu. Si c'est toi. Parle. Tu zones. Amen. C'est sous la barre la parole. Tu saurais. Si c'est toi ou c'est Satan. Ton Satan. Amen. Alors, pendant encore marcher. La main a quitté. Il faut comme un catouille. Après, regarde. Aussitôt, le souvenir. C'est ma base. Il a dit, frère, ouvre-moi la Bible. Oh, c'est ici. Oh, il y a quelqu'un qui a dit, oh, il Amen. 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 Il est parti. Il dit, chut. Tu vas se mettre devant la suite. Cet enfant moi, va ressusciter. Il a dit, le foie. On a dit, on attend ses parents. Il a dit, on a appelé ses parents. Les parents sont venus. Je suis le ressuscité pas. Écrivez sur mon nom. Faux prophète. Amen. Amen. Une simple prière. Une seconde. Une seconde. Seigneur Jésus. Aussitôt l'enfant sautait. Le pantalon était troué. C'est un refait. Le pantalon est un refait. Création. Ça, c'est la création. Quel dirigeant créatif. Amen. Amen. Alors, la réponse. Nous voulons un Dieu. Qui perd seulement. Il n'y a pas de Dieu. Ouvre la porte. En Union soviétique. Amen. Pourquoi? Vous voulez voir un Dieu qui sauve les gens. Il est qui prend de l'argent. Amen. Les catholiques sont là. Amen.
Ils ont sauvé qui? Ils sont toujours pauvres dans les églises. Ils ont besoin de l'argent. Ils ont beaucoup de malades. Ils sont paralytiques. Amen. Mais ils prennent l'argent. 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 Amen. C'est là où le message rentre. Je continue ma lecture là. Maintenant remarquez. Voyez-vous, d'où vient cette vieille pratique de faire des collectes d'argent dans l'église? On fait un chissoni. Beaucoup de choses sont en train de rentrer maintenant. Tenez-vous loin de ce genre de choses. Pour construire une organisation. C'est comme pour mon frère Odilon. Je lui ai demandé. Faut expliquer à l'église pourquoi vous avez demandé l'argent. J'ai eu pitié. Mouzoua Kamawa. À moi-même. Namounou Mossi. Le pauvre est contraint. Si, il n'y a pas le faire en fait. Elle nous a laissé les offres dans on sait quoi? Non, t'es Dieu a fait des. A placé des moyens. Nous avons tout là qu'abîme. Dieu a placé l'église. Nous avons tout là d'ibou. Une caisse pour les champs missionnaires. Yina. Chaque église devait avoir une classe de champs missionnaires. Ça va permettre que les missionnaires, si on veut faire quelque chose, ils le font. Si oh, chanter. Si vous y êtes là. Faire partie du ministère de la parole. Quelle église est-ce pauvre? Lévite. Il y a quelqu'un qui est battu à Lévite. Amen. Jésus a dit, donnez gratuit, vous avez reçu gratuitement. Parce que une louange, c'est un adoration. Les gens n'avaient pas payé les billets pour rentrer. Et ça, ça a été introduit par le dogme catholique. Catholique. Amen. Amen. 1500 ans. C'est une personne qui n'a pas l'argent. Elle a que Dieu l'envoie là-bas. Dans la louange. Le frère chante ici. La musicothérapie. Ça peut guérir les malades. Mais il n'a pas l'argent. Il peut rentrer comment? Amen. Amen. Il doit rentrer comment? Amen. Amen. Le pauvre est contrit, doit le faire. C'est une volonté permissive. Mais c'est pas la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est que vous devez soutenir ce don-là. Amen. Vous devez payer nous-mêmes le don. Regardez aux États-Unis. Les hommes d'affaires de Saint-Évangile. Ils appellent Branham. Il fait un déjeuner. Si, les gens, Branham, il y aura la prédication. Avant cela, il aurait une grande salle. Pour ceux qui viennent, doit d'abord manger. On doit manger à tout le monde. Quand vous finissez ici, vous faites la salle de la prédication. Branham maintenant prêche. Vous n'avez pas de longue. C'est eux qui soutiennent. Vous n'avez pas de rien. Tu vas la personne qui m'a fait. Amen. Amen. Quand Aurore Robert est parti, on a fait Aurore Robert, quand on a fait la bande. Mais Billy Graham. Les pauvres ont souffert pour produire de l'argent. Mais lorsque Bonhomme va, le son est mis à terre c'est lui-même. Il perd les billets de son équipe. Il perd les billets de la restauration là-bas. Il perd son hôtel 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 là-bas. Amen. Amen. J'ai vu ça en 2013 à Brazzaville. Il semble que tiens, ils ont un homme aux États-Unis qui a le don de guérison terrible. Ils ne savent pas qui on l'appelle là. C'est un blanc. Il est venu en 2013 à Kinshasa. Au stade. Il y a le vrai miracle. Les aveugles le voient. Maintenant, Brazzaville, il veut descendre. On a dit à Brazzaville pour venir. Il nous faut 35 millions. Il a 35 millions. Il descend. Ça vient de un jour. Alors, vous êtes dans les églises. Chaque membre doit donner 50 000. Il y a une église qui faisait 200 000. Ils n'ont pas pu aller le nombre. Et cet homme-là, il n'est pas venu. Il y a une cuisine qui a fait. Ça passait dans la dernière. Mais pourquoi est-ce que c'est pas le nom? C'est pas l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont occupé le plus beau. Hôtel. Et son équipe là doit bien loger. Quand il arrive, il y a des miracles. Plus de
plus de 1000 paralytiques à Kinshasa. Là, la founa, j'avais jeté les bras. Mais pour la voir. Kinshasa, 35 millions. Je ne viens plus, n'était pas aussi venu. C'est un dogme. Il y a quel sadou y a bantu. Parce que Jésus a dit, l'évangile est gratuit. Dina, pour le sujet qu'il y a un pamba. Amen. C'est gratuit. Il y a quel y a un pamba. On peut faire. Le chanteur joue sa musique. À la fin, il y a des cassettes à vendre. Il peut acheter pour lui. Le droit à l'entrée. C'est pas payable. C'est ça a pris une tournure dans le message. Mais maintenant, des droits d'entrée pour le concert. Si le concert est là, il sait qu'on doit faire ça. Ça ne change rien. Amen. Amen. C'est pour ainsi dire, on doit marcher dans la ligne là-bas. Madame n'a jamais autorisé à ça. Même lorsqu'il arrive, frère Nam. Attendez, comment il offre pour toi. Pourquoi vous l'avez fait ça? Depuis quand? Quelqu'un vient vous faire de pourquoi? Ça, ça doit être volontaire. Il a fallu avoir la mouche. Si quelqu'un veut me donner quelque chose, me donne. Ne me demandez pas. Non, bah fais. Je vais voyager aux États-Unis. Pour l'église, 100 000. Ça, c'est des dogmes. Il n'est qu'un sadoul, il y a bantou. Toi, tu veux pour toi voyager. Mais tu l'as dit, il y a des bouts. Il va aussi en Europe, là. Il ne marche pas. Il tourne seulement là. Il est là avec une voiture. Vous allez te voir. L'église a passé là. Amen. Amen. Si la quête de missionnaire, il n'y a rien. Quand on dit que tu voyages pas. Si on t'invite quelque part, c'est ceux qui t'invitent doivent te payer les billets. Amen. Amen. Tu dois s'en charger de tout. Qu'est-ce que tu as dit? Convention à Dieu. C'est quand nous, qui c'est là? Mais ça bien. Bon, l'église, bon, il y a une convention, c'est pour vous. Ça, on a même donné 10 000, je vais vous dire. 10 000, parce que c'est la parole. Il y a un pauvre, un coupé, ça m'a dit. Comme là. Ah, bon, il faut. Que tu veux venir à l'église. Ça, mais c'est ma belle bonne. Il n'y aura pas la bénédiction. Nous sommes les fans de fait. C'est enfin que tu donnes ça. C'est pas l'argent qui va à Dieu. L'argent qui va à Dieu doit être connu par la parole. Amen. On ne doit pas commander de l'argent. Amen. Moi j'avais dit ça à Dieu, le jour que je vais commander, je laisse prêcher. Je mange pas, je ne peux pas demander. J'avais fait un défi. Je ne vais pas aussi travailler, je vais prêcher la parole. C'est pour que l'on en pauvre. Depuis que j'ai commencé à prêcher, je ne travaille pas. Moi, ça l'a fait. C'est la volonté parfaite, je ne vais pas travailler. Il y a quelqu'un qui est venu où cela. Amen. Amen. Alors commander. Ça, c'est des dogmes. Il de humain. Il est sur le sang. Amen. Amen. Et voilà comment il voyageait avec ça. Va dire cette Amen. Amen. Là, il dit. Bon, on va venir le troisième solar. Il dit. Ne mets pas, ne touche pas à l'huile et au vin. Tu cousines, ben, m'en fous, à peine fin. Il dit dans le troisième saut. Remarquez. Voici le beau côté de l'affaire. La remarquez. Ne fais point de mal à ce vin, à cette huile. Il n'en reste qu'un petit peu. Mais n'y touche surtout pas. Or, l'huile, c'est le symbole de l'esprit. Le Saint-Esprit. Je vais vous donner quelques versets si vous voulez. Il y a des passages d'écriture. Dans Lévitique 8:12. Alors, quand Aaron entrait, Aaron il devait être oint d'huile. Vous savez. Dans Zacharie 4:12, il y a l'huile qui se déverse dans le conduit. Et il a dit, c'est mon esprit. Donc, dans le conduit des âges de la lampe. Là. Donc, remarquez ça. Ça, c'était le chandelier. On faisait rentrer l'huile au septième. Et ça venait dans les réservoirs. Et il dit que l'huile, là, c'est l'Esprit de Dieu qui a joué au temps de Paul. Il est né ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Et pour allumer la lumière, c'est la première lumière qui s'accède à l'huile des autres. C'est pourquoi tous les autres doivent être testés par celui-ci. C'est pas par tester, c'est par ce nom. C'est par celui-ci. Si celui-ci contredit Paul, c'est que mon âme est faux. C'est pourquoi quand il est parti au ciel, quand il a demandé, il a dit que toi tu seras jugé. Et ton message. Mais Paul,
Paul sera jugé. J'ai prêché comme Paul. Mais la chose qui a été ajoutée, ce sont les choses que Paul n'a pas vues. C'est ça qu'il révèle. Les choses étaient là, mais Paul n'avait pas vu ça. Mais c'est que Barnabas, c'est ça qu'il a ajouté. À savoir les sept choses. Mais lui, c'est le modèle. Et lui là, c'est le Saint-Esprit. Donc, si tu as le Saint-Esprit, si il contredit sa parole, c'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il a dit, c'est pas notre Père, Fils et Saint-Esprit. C'est possible. Mais le jour où il entendra le nom de Jésus, le baptême, il va te faire rebaptiser. C'est la preuve qu'il a le Saint-Esprit. Parce que ça ne peut pas contredire sa propre parole. Autre chose encore. Si vous voulez dans Matthieu 25, il y avait cinq vierges folles et cinq vierges sages. Et l'autre n'avait pas d'huile, pas d'esprit. La vierge sage avait l'huile dans sa lampe. Elle était remplie de l'esprit. L'huile, c'est le type du Saint-Esprit. Vous savez, c'est l'assemblée dit très bien. Amen. Amen. Et le vin symbolise la stimulation, la révélation. Ouais. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être mêlé avec le vin. J'ai pris la concordance. Et le vin symbolise la stimulation, la révélation. J'avais envie de courir dans tous les sens. Lorsque Barnabas a vu la révélation, il a couru dans la sainte. À cause de la stimulation. C'est un miracle. Et je n'ai pas réveillé tous les quartiers quand le Seigneur m'a montré ça. Voyez-vous, la stimulation de la révélation. Dans la Bible, l'huile et le vin vont ensemble. Toujours, j'ai pris la concordance et j'ai vérifié. Il y en a une série là. Comme ça, où on voit que le vin et l'huile vont ensemble. Tout le temps. Quand la vérité d'une parole de Dieu qui a été prononcée a vraiment été révélée à ses saints, ils sont remplis d'huile. Alors ils sont stimulés. Les vins sont stimulés, ils diront gloire. C'est ce que je ressens en ce moment, stimulé. Il y a de la joie, des cris. On révèle des choses. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Alléluia! Saint-Esprit va chahier! Il sera content! Il y a une stimulation! Ça stimule! Amen! Mais si la révélation est la suite, il y a quelque chose qui ne va pas! C'est le Saint-Esprit! Tu ne dis pas amen! Il n'y a rien à l'intérieur! Amen! Amen! Il dit: c'est ce que je ressens en ce moment stimulé. Il y a de la joie. Il écrit. Voyez, à ce moment-là, il produit le même effet sur eux. Il produit le même effet sur l'homme naturel. Quand un homme naturel, il est stimulé parce qu'il a pris le vin. Mais toi, tu prends le vin pour mettre le vin. Amen, amen. Il n'est pas un pomme, il devient courageux. Amen. Amen. Il peut dire, Awa, se réjouit. Awa, se réjouit. C'est quand j'ai dit ce que j'ai dit. Mais
si c'était au jour de Branham, il avait la même attitude. Si j'étais là-bas, mais si tu avais compris, tu aurais la même chose. Il avait la même chose que ça dit. Qui m'a dit que c'est moi? Amen. Amen. Voyez-vous, Benatella, c'est justement ce qui leur arrive à ce moment-là. C'est vrai, ça leur donne un comportement qui semble être convenant. Mais si vous voulez un passage d'écriture pour ça encore, lisez Actes 2. Quel acte est capable de sol? Amen. Amen. C'est pour vous tranquille. Montre qu'elle suit. Parce que c'était la chambre haute. C'est comme en haut là-bas. Ça, c'est la salle. Ah ouais, c'est la salle de la fête de Pentecôte. Tous les juifs du monde. Congo, Gabon, Russie, Singapour, Espagne, Japon, France, Belgique, Luxembourg, Canada, États-Unis. Tout était là-bas. Voilà, nous sommes la préfète là-bas. Comme à la coutumière. Où est-ce que tu es là? Tout à coup. Avant 9h. T'es Tengunga et 9h. Dès 9h, 3ème heure. Et tout à coup. Mbalamosi. Où? Mon bébé. Quel est le feu? Du coup, dis à Tia. Il regarde. Amen. Bah, on a tel à coup. Mais ça, c'est quoi? Y'a quel est? Ils étaient étonnés. Bah, on a eu tout soi. Y'a eu tout soi. C'est cette division en portion. Y'a même Kabouka Bitsini. Côté la mosse. Allez, mais y'a pas de coup. Aïe. Coupina. Mon kembo. Alors, ils ont pris les marches. Ils ont pris l'escalier. Premier saut. Deuxième saut. La parole s'ouvre. Ils sont pleins de vin doux. Ils ont pris le vin. On va lire le prophète. Mais tu le perds en Bikuni. Amen. Ezekiel a dit. Oui, Ezekiel est tout bas. Ezekiel a dit. Ezekiel est tout bas. Je vous donnerai un cœur nouveau. Mon capitaine, le tiba moi c'est mon âme. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Tu veux mettre un peu de moi c'est mon âme. Amen. Amen. Pas le cœur, le vieux cœur. Parce que quand tu m'as dit, il y a un tama. Alors le vœu d'aller naturel. Où n'a mal la foule qui souffre. Où n'a pas d'âme dit. Où n'a pas tout bas. Amen. Amen. Somda. Que faut-il pour mener une vie chrétienne du dimanche 13 janvier 1957. Commence au paragraphe 13. Maintenant, la Bible dit ici, Ézéchiel était un prophète. Il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'aime ça. Je parle toujours de quelque chose de nouveau qu'il va faire. Il n'a donc pas dit. Ça ne veut pas dire qu'il va juste réparer l'ancienne condition. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je donnerai le cœur de pierre que vous avez. Il vous donnera un esprit nouveau. Il n'a jamais dit qu'il aurait une vieille église rattrapée. Il aurait une chose nouvelle, propre, neuf, en possédant ainsi. On ne peut pas mélanger une ancienne église intellectuelle avec une nouvelle église qui va. Qui a l'espérance de la Pentecôte. Jésus a enseigné la même chose dans Luc. Là, il a dit qu'on ne pouvait pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Autrement, c'était pour moi quelque chose de difficile à comprendre. Avant que je devienne un missionnaire, on concevait les choses par les bouteilles. Je disais, mais bien la bouteille, ce que nous appelons bouteille, ça ne veillit pas. Mais en Palestine, surtout à l'époque là, l'outre était un pot d'animal. Là où on conservait l'eau, c'était un pot d'animal. Qu'on damait bien, c'est comme une calebasse, où on conservait le vin. Coussu
rattaché par endroit. Cette poêle contenait les liquides et autres qu'on y mettait. Eau, masa, le vin vino, ou l'huile. Et c'est qu'on transportait dans la peau. Quand cette peau vieillissait, et bien elle séchait. Et alors, kuna, comme Jésus l'a dit, si on met dans un nouveau, quand on met le vin nouveau dans les vieilles outres, on perd les deux. Vous prenez votre vin et vous prenez votre outre. On peut bien déverser de l'eau, dans une vieille outre. Là, on peut mettre. Mais on ne peut déverser du vin dans une vieille outre. En effet, l'eau, c'est le centre de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est statique. Et si quelque chose arrive, ça diminue, ça se condense. C'est une substance sans vie. Mais ce sont des cendres issues de l'hydrogène. L'hydrogène et l'oxygène sont des cendres. Mais le vin a la vie. N'est-ce pas? Et le vin, surtout le vin nouveau, se fermente toujours. Ça peut dilater un peu. Et ça gonfle. Dans cette vieille outre, la vieille peau sèche, celle-ci va éclater et s'ouvrir d'un coup de vent. Et c'est alors qu'on perd la peau et l'outre aussi. Tout s'abîme et le vin se répand. C'est à peu près le tableau que nous avons devant nous aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller dans un groupe de vieux intellectuels formalistes avec votre conception et chercher à faire accepter le programme de Dieu dans votre programme intellectuel. Ça ne marchera pas. Cette peau de sèche va s'éclater. Amen. Amen. La peau l'outre, c'est l'homme. Amen. Oh, Amen. Car la peau là est encore neuve, il y a encore de l'acidité, il y a encore de l'huile dans la peau. Et cette huile là, quand on met le vin, quand le vin commence à dilater, lui s'y s'ouvre comme élastique. Alors il conserve le vin à l'intérieur. C'est sec. Lorsque le vin va dilater, ça va casser le vin. Quand ça va casser, il perd le vin et l'outre. Amen. Ici, c'est le cœur né de nouveau. C'est un homme né de nouveau. Quelqu'un né de nouveau. Il est né de l'esprit. Et quand on met le vin, ça veut bien conserver. On peut recevoir, on peut boire ça. Ça peut donner la joie. Ça peut donner les cris. Ça peut sauter. Ça peut se réjouir. Il peut témoigner son Dieu. Il peut louer le Seigneur. Oh, lui, il est dans la joie. Mais toi, tu n'as pas la joie. Parce que tu es Dieu. Dieu, je ne mets pas le vin là. Parce qu'il n'y a pas l'esprit. Ça me dépend avec l'esprit. On naît de nouveau pour avoir l'outre nouveau. Il y a l'esprit. Il y a de l'huile. Ça me dit, ma foutre à vendre. La parole vient. Le vin rentre. Et tu as la joie. C'est pourquoi David disait, je suis dans la joie. Quand on était dans la maison éternelle. David disait, David disait, ma coupe déborde. Ça déborde de vin. Le vin nouveau. Il le voit chaque jour. Il est dans la joie. Il est à l'église. La maison, il oublie. Il est le problème, il oublie. Il oublie. La joie, c'est ici. Il est qui maison, il est là. Amen. 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 Toujours. Comparez seulement les païens. Vous ferez la mipaka nous. Regardez. Non. Il y a eu Real qui a gagné là. Real est nous gagné. C'était pas possible. Il y a pas la roulure café. Qui a fait ça? N'a dit ça là qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est si mauvais là. Amen. Quel matin? Où est mon Dieu? À Jakarta. N'a zulé le Jakarta. N'a qui pète l'eau? Il y a quelqu'un là. Regarde la montre. Chapeau. Elle met tout là. C'est pas de ma soeur là. Regarde ma soeur là. Il a tellement son chapeau Real. Il a chapeau de Real. Marinière Real. Qui coûte sur le vêtement, il y a bien. Qui coûte un sur le pays Real. Basket Real. Qui va payer Real. Chaussette Real. Qui se lève payer Real. Dose Real. Basket Real. Il a qui pendu le Real. Il a vu bien. Il a qui le coupe dans le Real. Avant la machine. Il a coupé le Real du Boko. Amen, amen. Quand ils ont gagné, jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 6 heures. Il y a des bars. Il y a des bars. Ils ont gagné quoi? Bah oui, ils ont gagné. Ils ont gagné quoi? Bah ils ont gagné. La joie. Kaka qui les guide. Amen. Amen. Parce qu'ils sont possédés de football. Bah, ils sont possédés de Jésus. Il
Christ. Sors de la joie tous les jours. Tu vas te réjouir. Oui. Hallelujah. Sur l'assimilation. Et c'est ça. Penina. Jésus a dit à Satan. Si tu vois ça, ne touche pas. Ne touche pas. Ne touche pas ce que l'onction. Ne touche pas. Ne touche pas. Je suis triste. Touche pour toi. Si tu es triste, touche. Si tu es triste, ceux qui sont dans l'enchant, ne touche pas. Ne touche pas. Laisse. Le diable sorte. Laisse-moi libérer. Libérer, c'est que la joie. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Libérer. Libérer le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Fou, vous savez, Benoît.